Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. Et surtout pour un remerciement, parce qu'aujourd'hui j'ai reçu... Mais vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est, bien sûr. Putain, regarde. Je suis content. Là, c'est une lettre de YouTube. C'est une lettre officielle de YouTube. C'est sérieux. Bonjour Skyros. On sait que depuis des années, tu aimes faire sauter le string des grands-mères. Avec des top 10, avec des gameplays. Mettre des quickscopes, des headshots biatch, et niquer tous ces... Alors non, c'est pas ce qu'il y a écrit. Voilà. Skyros Live. J'ai reçu... Ah, je suis content. Elle est trop stylée. Regarde ça. Merci en tout cas. Voilà, ça, c'est le petit trophée des 100 000 abonnés sur la chaîne Skyros Live. Merci à tous, en tout cas. Merci à toutes les personnes qui font partie de ce numéro-là, des 100 000. Merci à toutes les personnes qui ont suivi l'aventure. Mimé dans l'angle. Ah ! Bien vu ! C'est vrai qu'il a, il a un petit coin... Oh putain, oui ! Aïe, aïe, aïe. Alors, il me dit, ouais, ça a été fait avec Good Care. Rick, qu'est-ce que t'as foutu, Rick ? Bon, c'est pas grave. L'important, c'est la récompense. On s'en fout. Merci à toutes les personnes qui ont suivi l'aventure. C'est vrai qu'au départ, la création de la chaîne Skyros Live, c'était partager les meilleurs moments qu'on a en stream, voilà, et de les publier à une heure qui était importante, je pense, c'était le midi. Donc, je sais que pour beaucoup, les petites vidéos sur Skyros Live sont les vidéos du midi. Donc, bon appétit. Déjà, bon appétit, bien sûr. C'est énorme. C'est incroyable, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, je pense pas qu'on aille au million, mais si on y va... Ah, ça serait insane, frérot, ça serait... Non, je n'y rêve pas. 100 000, pour moi, déjà, j'y croyais pas. C'est incroyable et ça fait extrêmement plaisir. Et c'est les nouveaux trophées, parce que les anciens... Bah, en fait, c'est la première fois que j'ai les nouveaux trophées. Moi, j'ai que les anciens. Les anciens, on les voit derrière, là. Ça, c'est les anciens trophées pour les 100 000. Qui étaient cool, hein. Bon, c'est vrai que j'aime bien les anciens. Je trouve qu'ils sont vraiment sympas avec le bouton à l'intérieur, mais les nouveaux, ils ont un petit côté classe quand même. Et ça, c'est le million. C'est le gros que vous voyez, c'est le million pour la chaîne principale. On va le mettre là. Comme ça, on le voit bien. On le voit bien. Voilà. Ah, je suis content. Je suis content et je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui ont suivi l'aventure, qui font partie des 100 000. Merci à vous. Au départ, la création de la chaîne, justement, c'était pour partager ces meilleurs moments qu'on puisse passer en stream. Les meilleurs games, les meilleurs gameplays, les petits délires, les petits fous rires. Et au final, bah, ça a pris une ampleur beaucoup plus grande que ce que j'aurais imaginé au départ. C'est vrai que je me suis rendu compte que bah, c'est devenu un petit peu le rendez-vous du midi, le rendez-vous pour beaucoup. Et qui, voilà, petite pause déjeuner, on met le petit gameplay pour vous accompagner si jamais vous êtes seul pendant cette pause déjeuner. Bah voilà, il y a Tonton Sky qui peut être là sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre tablette. Et si ça vous fait passer un bon moment, bah écoute, c'est toute la récompense pour moi. Vraiment la meilleure récompense quand on va, que ce soit faire un stream ou faire une vidéo, c'est que la personne qui regarde passe un bon moment. Et moi, quand je vois dans les commentaires les gens qui disent « Ah, j'ai bien aimé, etc. et j'ai bien aimé la vidéo, j'ai... » Au final, où j'ai passé un bon moment, avec vos propres mots, c'est toute la récompense. Voilà, c'est toute la récompense. Donc vraiment, merci à tous d'avoir été là. Et ce n'est que le début de cette aventure-là, en tout cas. Il y aura encore pas mal d'aventures à vivre. Pas mal d'aventures. Et du coup, on va se faire une petite game Warzone pour fêter ça. Putain, on voit bien le... on le voit bien, là. On le voit bien. Mais donc là, on est le matin. Généralement, le matin, ça va, c'est un peu plus tranquille. Mais c'est vrai que... Les lobbies du soir, ils sont infects, quoi. C'est impossible. Bon, on va faire le cache-cache. Ah, quoique, il y a une petite caisse qui arrive juste au milieu, là. Donc, on va peut-être être tranquille pour la cache. Ou pas. Ah, ouais. Ouais, bon, bah, écoute. Je pensais que j'allais avoir une arme à feu. Bon, je pourrais chercher la caisse gratuite, mais franchement... J'ai pas manquiquiné. Niveau 34, ah ouais. Plus de chance la prochaine.
J'ai plus de chance la prochaine fois, oui. Bon, face à un niveau 34, bon, on va rien dire, mais on sait. Nous savons. Ah ouais. Non, messieurs dames, le script n'existe pas dans le jeu, arrêtez. Bon, lui, il est AFK. Alors, ça tire un peu sur... sur là. J'essaye de voir un peu s'il n'y a pas un truc stratégiquement qui pourrait être intéressant de faire un move, tu vois. Ça a l'air de jouer, hein. Ça, c'est joué. Je pensais qu'il allait y avoir du monde, mais... Ça, c'est joué. Un petit check, vite fait. On va faire un peu de thunes, et puis on va aller se prendre un petit jeton de goulag, hein, parce que... Ça, c'est pareil, qu'on puisse les acheter, c'est vraiment pratique, mais... Bon, c'est un peu abusé quand même. Bon, bah écoute, finalement, on se remet une petite santé plutôt bien. Il y a personne qui est venu ici, alors là, vraiment... surprise. Il se barre, mais je vais pas te laisser te barrer, mon pote, hein. Moi, j'ai... Tu ne te barres à point. Où es-tu, coquin? Ah! Ah! You shall not pass! Je t'ai pas lâché! Je ne te lâcherai point. Non mais y a des gars comme ça, tu dis toi, faut que je te tue. Voilà, c'est... C'est comme ça. Y'a un gars dans la grue. Alors bon, j'ai encore un peu de mal à calculer le... la retombée et la vitesse, mais normalement là-dessus on a un truc qui est quand même plutôt correct. De base c'est plutôt correct. Ah, il se barre! Ah, il se barre! Ah, c'est bon, il va dans le bat. Ok, bah t'es foutu. T'es foutu, mon con, t'es foutu. Il va pas dans le bat. Tiens! Ah, je t'ai bien niqué, hein. Ah, je t'ai bien niqué. C'est là. Comme ça, normalement, il y a un petit ballon qui se déploie, non? Bon, on va essayer de pas trop perdre de temps. Voilà, de toute façon ça sert à rien de loot pendant 10 ans. On va aller chercher une chose, une seule. On s'en va. Salut. Coucou. Oui. Voilà, salut, bye bye. Bah bon, après il était là, fallait bien que je m'arrête, hein. Tu vois, il y avait un... C'était pas prévu, mais il y avait un petit arrêt pipi. Voilà. Ennemi dans la zone d'opération. Salut. Attends, il y en a un autre là. Attends un peu, on va voir un peu de ce côté-là. Bon, c'est pas toujours évident, tu sais, le morse à charger, parce que déjà, tu as le temps que tu mets à charger, etc. Elle peut faire vraiment très mal, bah, si tu tires dans la tête, et normalement, tu peux one-shot à n'importe quelle distance, juste qu'il faut la mettre, quoi. Et tu sais que, bah, une fois que le gars, il entend que la balle qui est pas loin de lui, souvent, voilà, quoi. Mais t'as vu, le bullet drop a pas l'air d'être un... d'être foufou, hein. Le coquin.
Oh, là-haut. Putain! Alors lui, il m'a surpris de ouf, hein! Je l'ai jamais entendu! C'est quoi ici? D'accord. Fuck. J'ai pas de masque. C'est horrible. Et ramasse pas les plaques surtout, hein. C'est horrible que des fois, regarde, j'ai rien dans mon inventaire, je passe sur des plaques, ils te les ramassent même pas alors que j'en ai besoin. Ok, j'en ai vu un là-haut. Ah fuck, je suis fini. C'est fini, c'est mort, c'est adieu. Putain, il a une sacrée vue le monsieur, hein. Oh oh. Ah ouais. Ah ouais. Putain, il a une belle vue. Ah, je me suis même pas vu que le mec il m'avait vu. En vrai, c'est ma faute, j'aurais dû à ce moment-là prendre avoir un masque. C'est le fait de pas avoir de masque. En vrai, tout a commencé au gars qui est arrivé sur le bâtiment là. Mais d'où il vient? Mais jamais. Alors déjà, je l'ai jamais entendu. Mec, t'as un gars qui arrive sur toi, mais genre, j'étais en train de viser et tirer. Je dézoome, je suis là, et il y a un gars, pop, il pop devant moi. Je fais, attends, mais quoi? Bah, je me souviens, au tout début de Warzone, tu sais, il y en a, il voulait absolument avoir une victoire, tu vois. Donc, il payait des cheaters pour pas se faire niquer, pour leur offrir leur top 1, tu vois. C'est ouf, hein. Non, mais il y a des gars, non, mais on a eu tout, hein. En fait, tout le truc le plus bizarre et loufoque auquel tu puisses penser, c'est pire. C'est tout. Il y a facilement entre 5 et 10% de joueurs qui cheatent ou qui ont déjà cheaté sur le jeu. Ouais. Bah, il te bannit des milliers de comptes chaque semaine. Eh, souviens-toi, au tout début, hein. Quand Ricochet a commencé à taper, ah, cette semaine, on a banni 100 000 comptes. 50 000. Toutes les semaines. De temps en temps, on a une petite info, on a banni des cheaters, machin, bon. Vraiment une catastrophe ce sniper. So good. Yo, good luck, man. Hey, yeah, same. J'ai pas eu de chance, hein. Putain, mais... Elle a un gage tactique.
Demande une frappe aérienne sur cette position. Reçu, Longbow 3-1 en approche. Il m'a saoulé, lui. Saoulé. Nous avons détecté un bunker près de vous. Ouvrez l'œil, d'accord ? Elle est revenue ? Je suis dessus. Ah, je suis dessus, tu mens. Bam, le Morse, baby. Ah, il y en a un autre qui veut... C'est ça qui est cool, c'est que tu peux tuer à travers les murs. J'ai l'impression qu'on tombe sur des relous aujourd'hui, non ? Putain, ça fait du bien de les niquer ! Ah, j'aime bien le Morse quand même. Hein. Franchement, ça te met... C'est pas toujours évident, mais ça te met des... Quand t'arrives à les placer, ça te met des pralines... plutôt vénères. Ah, tu le places celui-là, mec. Fuck. Il y a de la chance, il y a de la chance. Merci. Ça va être compliqué là de se refaire une petite santé là. Demande de frappe.
Bah, c'est pas juste. C'est pas encore la TTV, mais ça me donne envie de vomir. Vomir le nombre de TTV qu'il y a, mais niquez vos mères. Personne n'a envie de voir vos streams, bande de fils de pute. Pardon, pas de plat, quoi. Excusez-moi, je me suis un petit peu emporté. Ah, mais surtout, à quel moment, franchement, je te le dis en toute sincérité, hein, à quel moment il y a un mec qui te bute, il y a écrit TTV en nom de clan, tu dis, ah putain, vas-y, j'ai trop envie de voir son stream. Ah, vraiment. Jamais, jamais, moi, ça m'est arrivé. Ça vous est déjà arrivé, vous? En mode, ouais, trop bien, vas-y, je vais voir son stream. Deux fois, j'étais dessus, ouais, j'étais dessus pour moi, mais bon, ouais, écoute. Oh, putain. Ah, ouais. Ouais, écoute, on va en profiter pour... Je pensais que j'étais dessus, mais bon. GG's. Oh, daddy, suck my... Bah écoute. Ah, je l'ai entendu faire l'exécution, j'ai foncé hein. Il y a un là, mais il y en a un sur la colline. J'y vais. Ah, il en reste un là. Et un sur la colline. Écoute, le mieux c'est de les laisser se battre entre eux. Et surtout qu'ils disent Sokmai, ouais, Sokmai il est mort quoi. On est trois. L'idée, c'est que ce soit eux qui se tapent entre eux. J'en ai mis un à terre. Nickel. Oh là là! Wouhou! C'était pas le plus beau top 1, mais c'était un top 1 quand même qui fait du bien. Voilà. Et ben voilà, apéro et top 1. Voilà! Voilà, c'est complet. Il y a eu le top 1 quand même. Ça a été galère, mais on l'a eu quand même. Ah, ouf, finesse. Ah, il s'est pris le petit turn, il s'est pris le petit turn. En vrai, c'est ça. Quand il y en a que 3 à la fin, sois pas le premier qui engage le combat. Parce que sinon, tu es sûr qu'il y a de grandes chances que ce soit toi qui meurs. Bon, il y a pas beaucoup de kills, hein. 12, ouais, voilà. Mais il y a eu des petits kills au snipe plutôt sympa. Voilà. L'avantage du morse avec le bal chargé comme ça, on l'a vu que le gars qui était dans la station service, tu sais, c'est que tu peux toucher à travers le mur. Faut charger, un peu en kikinant,
mais ça passe. Et finalement, j'ai changé ma classe Super-E, j'ai mis le canon court, et la crosse de rescue, là, et en termes de mobilité, c'est insane. Vitesse de déplacement, vous voyez pas ce qu'il y a à la cam, 6,2 mètres secondes, c'est incroyable. Tu vas trop trop vite avec ça, c'est incroyable. Si vous êtes que 3, attends un peu qu'ils engagent. Bon là, le gars, il m'a rush. Il savait que j'étais là, peut-être qu'il avait un capteur aussi, tu vois, ce qui il m'a push. Ce qui était bizarre, en fait, c'était bizarre qu'il m'ait push, sachant que le gars, il était à contre-zone. Tu vois, la zone était... Il avait la zone, en fait. Il avait la zone. C'est ça que j'ai pas compris. C'est-à-dire que le gars, la zone, elle est de l'autre côté. Donc, il a la zone. Et le gars, il décide de mettre des fumigènes et venir vers moi pour essayer de me buter. Il a fait une erreur. Il n'aurait pas dû faire ça. Donc, je jette les deux termites qui, par chance, touchent. Voilà, donc comme ça, ça le ralentit un petit peu. Il met sa frappe. L'autre, il est un peu préoccupé que ça tire en bas. Je fais le tour en ayant mis mes scagas au préalable pour le prendre. Je réussis le combat in extremis. Voilà, ok. L'autre, il avait jeté le fumigène, donc j'ai eu le temps. Je me suis mis là, il est arrivé, il a dit ah, « Attends, il doit être low, j'y vais, je fonce dessus. » Effectivement, c'était le cas, mais lui aussi était low. Il aurait dû se shield, mais je pense qu'il a évité, il a voulu éviter l'effet de surprise. Il a fait un bon move, mais... voilà, quoi. Ah, c'est moi qui ai gagné, quoi. C'est bueno, ça.